Yo tout le monde, c'est Wesh92, j'espère que vous allez bien. Play your tu connais pas quoi. Pas grave. Yo tout le monde, c'est Mizuka. On est là pour le Eien no Raibaru. Un tuto? C'est pas vrai. Oui, c'est quoi tout ça? Bah c'est ce qu'on leur réserve. À qui? Bah aux abonnés. Je rayonne. Mais non, mais c'est dégueulasse. Eh bien, salut tout le monde, c'est Wesh92, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, je pète la forme, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la persique, j'ai tout ce que vous voulez, peut-être pas l'ananas, hein, mais bon, on s'en fout. Écoutez, juste avant qu'on commence cet épisode de Perso DLC, je voulais vous remercier, beaucoup de personnes, notamment ceux qui m'ont reconnu dans certaines vidéos, donc moi ça me fait super plaisir. Quand on me répond tout ça, les gars, franchement, je souris, quoi. J'esquisse un sourire, franchement, ça me fait super plaisir. Aussi, quand je joue à Naruto, parfois, je rejoins des tournois. Et c'est ce que je fais souvent, je rejoins des tournois. Et je tombe sur des abonnés, ça me fait super plaisir quand on me reconnaît. Donc, voilà. Et je place une dédicace à tous ceux qui m'ont bien éclaté dans le multi. Enfin, quand je croise des abonnés. Je vous le dis, je vais vous botter le cul si je vous recroise, les gars. Ça, c'est obligé. Bon, allez, maintenant, on va tranquillement lancer. Eh bien, le petit perso délaissé du jour. Je pense, de toute façon, je fais pas la surprise. Vous savez bien que c'est mon petit Sai. J'ai bien dit mon petit Sai. C'est pas mon pote, hein, les gars. On se calme. On va choisir un mot, hein, c'est mon collègue, voilà, ça fait plus professionnel. Ouais, mon petit, ça le fait pas trop. Bon, en tout cas, j'affiche le commentaire, voilà, c'est SaiX Ino. Donc c'est Sai en fait, hein, tout court, hein, le mec, et ça doit être un fan de Sai. Donc wesh, trois fois wesh, donc oui, 9-2. Sur Udo, bon, pour continuer ta série, je te propose Sai sûrement, surprenant, n'est-ce pas, pardon. Donc oui, c'est un perso ultra délaissé. Même s'il est positionné deuxième dans mon top 3. Bon, c'est vrai que moi, c'est même plus qu'ultra. Hein. C'est méga, ce que tu veux. De la taille des sourcils de Guy, on est bien d'accord. Moi, j'en vois jamais. Dans le multi, j'en vois jamais. À part quand je vais en non classé, ça m'arrive de les croiser. Mais je veux dire, dans le multi classé, moi, j'en vois pratiquement jamais. En fait, jamais. Il n'y a pas de... J'ai jamais croisé. Clair. Ensuite, donc tu me dis, ces chiens sont enragés, surtout en éveil, on a l'impression qu'ils veulent copuler, vu à la vitesse qu'ils courent. Why not? Par contre, on va se calmer un petit peu, l'esprit qui s'égare tout doucement, on se calme. Ensuite, en soutien, je te propose Danzo et Fou. Alors Fou, je sais pas si ça s'écrit comme ça, mais c'est le rouquin, hein, c'est le petit rouquin là, ouais, duquel je parle. Usasuke Taka, vraiment très bonne team. Par rapport aux teams, j'aime bien reprendre en fait les teams perso délaissés, histoire de rester dans le ton. Ensuite, et aussi ces chiens, tu peux les envoyer quand l'adversaire est au sol, c'est vrai. Donc les chiens touchent lorsque l'adversaire est au sol, c'est pas mal. C'est un peu du style de Mizuka, Mizukage. J'allais dire Mizuka Shinobi, donc dédicace, moi t'y passe. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes, notamment un petit ninja move, et ça je le dois à Onono Tamashi, j'espère que je me trompe pas sur le pseudo, Onono Tamashi, donc qui avait fait un super tuto, n'hésitez pas à aller voir. Alors, bon, c'est parti, je pense on va se lancer. Écoutez, moi je vais... Ah oui, j'ai oublié qu'on lance une petite partie. Le titre de ma petite carte. Bon, la carte, vous me direz, elle est violente. Moi, personnellement, j'adore ce regard de Sai, j'adore. Par contre, autographe du pauvre, les gars, c'est mon délire. Ça le fait, autographe, hein, coup de pinceau. Hop, du pauvre, je sais pas. Le pauvre, quoi, le mec, il est bizarre, quand même. Je sais pas, il est chelou dans le manga. Enfin bref, vous en faites pas les gars, j'ai pensé à vous pour les combats. Je vais prendre Sai en tenue de guerre, histoire qu'il cache son nombril. On est d'accord, voilà, pour éviter de vous hypnotiser. Bon, on se retrouve tout de suite avec mon adversaire les gars, vous connaissez la chanson. Alors donc on rejoint Skull Kid 2K4, on va le dire en anglais. Je pense que c'est un anglais, alors statistique vite fait. Lee, Grande Guerre Ninja, Mifune et Kiba. Alors lui c'est la panoplie des persos. Absolument cheaté. Ou plutôt on va dire avantagé, parce que voilà,
on va pas dire shit, bon Kiba, vous me direz. J'espère qu'il va pas me sortir un gros spammer. Les gars, j'en ai marre, c'est dans le multi, il y a 90%, vous tombez sur des spammers. Et je dirais 10%, bah, c'est des fair play, des gens, bah, ils veulent s'amuser. Alors, donc on prend le petit Sai. Attention, j'ai dit, j'ai pensé à vous. Tenue grande guerre, cache bien ton nombril, mon pote. Pour la team, écoute, je vais te faire honneur pour le premier combat. Donc, je parle bien de Sai X Ino, je vais te faire honneur. On va prendre Danzo, et alors Fou. Ouais, je croyais que c'était F-U, mais je me demande si ça s'écrit comme l'autre Fou. Ouais. Je vais le prendre en offensive, je vais les prendre tous les deux en offensive, comme ça. Bah, si c'est un spammer ou quoi, au moins je me dis, je vais bien le bourriner, quoi. Non, je prends pas de défensif, ça fait trop bugger. Même pour moi, ça me fait bugger, donc évitons ça. Voyons voir, voyons voir. Kisame, Kisame, lui par contre c'est deux défensifs, voilà, donc on est totalement à l'opposé. Alors Kisame, vous connaissez très bien ce perso. Bon les gars, c'est parti, allez Sai, montre-nous ce que tu sais faire. Allez. Oh, par contre la connexion. Ouais, le mec. Allez hop, des chiens, vous connaissez le petit style à Sai. Allez, faut plus. Oh là, par contre, on va le laisser dasher. Allez, tu viens ici, mon pote. Je te prends par les épaules. Je vais te montrer la prise du nombril. Ah ouais, carrément. Par contre, je vais essayer de faire en sorte. Oh là 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 là, ça c'est... Ouais, ça en fait les gars, je vous explique, c'est Kisame. Je sais ce qu'il essaye de faire, je connais très bien les Kisame, on connaît tous. Là on va essayer. Allez hop, je vais te montrer moi Danzo, il rigole pas non plus lui. Allez, fais quelque chose toi. Ça, ça fait plaisir par contre. Par contre, il aime fuir, mais il a le droit, il a le droit, il a le droit. Allez. Oh là 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 là. Ouh, il se m'en éveille. Ça, c'est ma poire, les gars. A tous les coups, ça va être des requins. Allez. Je respire comme un sauvage, les gars. Ça se corse pour moi. Allez, cette fois-ci, mon pote, tu te chantes un combo complet, je m'en fous. Avec le petit rouquin qui m'aide à aller la totale, les gars. Vive le rouquin, mon pote, vive. Ah, bah regardez, là, l'épée au sol, avec tout le monde. Avec Kisame, tu te couches, mon pote, écoute. C'est pas, t'sais, l'eau, c'est pas pour toi, t'sais, change de style, tu vois, je sais pas. Vise les arbres, essaye un petit peu les branches, tout ça. Plutôt la terre, moi je dirais la terre, contrôle la terre, c'est bien ça. Franchement c'est bien, tu devrais y penser. Ça et les gars, perso délaissé, au top, je viens d'affronter un Kisame. Au top les gars, un monstre, ce Kisame, un monstre. Ça fait plaisir franchement les gars, je suis en train de... Franchement je me suis dit, à transformation, ah, il va me tuer. Ah, il va faire de Sai... de la peinture, toi, je vais dire, il va le fondre. Puis là, je me suis dit, bah non, ça fait plaisir. Sai qui sort, Seiyinch qui sort tout. Des petits oiseaux. Non, c'est plutôt des piou-piou, tu vois, des petits bruits d'oiseaux. Et le rouquin pour la fin, on est à deux dessus. On est à deux sur lui, y a pas, on rigole pas, nous. Nous, c'est les persos délaissés, on vient à 10, nous. On vient à 10 sur un type. Ouais, bah super, hein, Sai Xino. J'espère que t'es content, parce que moi, ça me fait super plaisir de gagner des combats comme ça. Contre ce mec, attends, et deux défensifs, mais c'est quoi ce cochon là? Changez-t-il, les gars? Deux défensifs! What the fuck, mec? Bon, allez, on relance une deuxième partie. Cette fois-ci, je pense que je vais changer les soutiens. Même si ils sont vraiment, j'insiste, ils sont trop stylés ces soutiens, les gars. Je vous recommande deux soutiens absolument. On va pas les dire, on va pas dire abusés parce qu'il faut bien les placer aussi. Mais le petit rouquin, il me fait plaisir, donc fou, il fait super plaisir. Et puis, bon, il... Danzo, je vous fais pas la présentation. Voilà, on lance direct une deuxième partie. Allez, c'est parti. Alors, donc, on rejoint Cabanelli89.
Juste statistique, Sasuke, Kaléidoscope hypnotique éternel, super, c'est bien tes yeux, je t'applaudis, tu fais des trucs super. Naruto et Nagato, alors moi c'est Nagato qui me fait peur, donc le mec m'a tout l'air d'avoir de bonnes statistiques, ouais. On va essayer de faire ça bien. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis en train de m'étirer les doigts, je vous jure. Je m'étire les doigts parce que j'ai les doigts gelés. Et c'est très dur de jouer avec les doigts gelés. Donc je m'étire bien les doigts. Pop, 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 pop. Allez, c'est parti. Donc Sai, en mode cache ton nombril. Ou non, allez. Vous savez quoi, les gars? On va l'hypnotiser, le gars. Par contre, je vais prendre Sasuke. Celui-là, je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est le même que son perso à lui. Kaléidoscope, machin, un truc là. C'est bien, hein, moi je mets des lentilles, il s'amuse bien, petit Sasuke, il fait ce qu'il veut. Moi, j'enfile des tops. C'est parti, tu vas voir, je vais te montrer moi. Je vais mettre une lentille dans mon nombril, je vais t'hypnotiser mon pote. Attention, alors ouais, voilà, donc Nagato. Alors ça c'est pas chose facile les gars, je vous jure, je vais avoir du mal, surtout que la team est vraiment abusée. Alors ça, c'est bien. Allez, une... Non. Bon, par contre, il aime bien... Allez, hop, on date juste après. On le laisse pas respirer. Voilà, on va faire un petit combo complet, histoire que vous voyez un petit peu. Bon, il veut pas. On va faire le combo du bas au complet, s'il veut bien. Ouais, toi, tu dégages, toi. Je vais te montrer moi. Bon, j'aurais peut-être pas dû. Bon, là, décidément, le mec, je pense, c'est pas trop. Je sais pas si c'est vraiment. Ok. On va finir sur une chop, viens ici. L'attaque du nombril. L'attaque du nombril, mon pote. Hop hop hop. Qu'est-ce qu'on fait là? Il va quitter. L'attaque du nombril avant qu'il quitte. L'attaque du nombril hypnotique. Kaléidoscope hypnotique nombril X que vous. Ça veut rien dire, on s'en fout. Ah, c'est impressionnant comme tu es médiocre. Ça c'est une phrase ça, tiens. Une phrase à balancer au spammer les gars. Oh, lui c'était pas un spammer hein. Non non non. Non, non, je crois pas que je vais laisser le temps de spammer à mon avis. Bon, deuxième combat. Deuxième preuve que Sai est vraiment bon. Bon, j'avoue, celui-là n'était pas très, très expérimenté. Mais GG à lui quand même. J'ai dit, hein. Il faut GG quand même, hein, les gars, même si le gars il spam. Franchement, GG. C'est que le gars, à mon avis, il traîne avec les mauvaises personnes, tu vois. Non, Sai, regardez pas trop au niveau du bas de l'écran, vous voyez, juste au niveau. Voilà, il y a un nombril, c'est un point. Faut pas regarder ça. C'est... Regardez, il y a même Sasuke, il cache ses yeux là. Il veut pas regarder Sasuke. Sasuke, il veut pas regarder son nombril, les gars. Faites comme lui, faites cacher, cacher, cacher. Écoutez, je vais passer direct au troisième combat, histoire qu'on regarde pas trop son nombril. Allez, c'est parti. Alors, donc pour le troisième combat, on rejoint Boze. Boze G12, Boze 2, Bozeg, Bozeg, je sais pas, je sais pas, Bozeg. Bozeg 12, je sais pas. Statistique Naruto Sasuke Madara Uchiha. Alors bon, moi c'est Madara qui me fait peur. Surtout dans les mains de quelqu'un qui a pas beaucoup de niveau, vous voyez. C'est le genre à bourriner. Ça devient dangereux. Ça y est, sur ce jeu, dire, tu crois tu viens de commencer, on te dit seulement où est-ce qu'elle est la touche. Pour frapper, tu gagnes. Tu gagnes mon pote, tu gagnes. Tu peux gagner, je te jure, tu peux gagner. Enfin bon, je trouve que le Sai en mode... Kaléidoscope hypnotique nombrilique, il passe bien quoi. Il passe bien, non? Allez, c'est parti en mode nombril. Bon, cette fois-ci en mode perso délaissé. Qu'est-ce que vous dites de pop 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 d'un petit Shoji, parce qu'il fait toujours plaisir. Et finalement, je prends tout le temps. Non, on va prendre Jiraiya. Tous les deux en offensif. Moi, c'est mon kiff. Je place une dédicace à Luffy, parce que lui aussi c'est son kiff. Voilà, les doubles défensives, un vrai truc de cochon les gars, c'est du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir comme adversaire? Alors, Sasuke, bah, tiens, je vais te montrer ce qui a le meilleur kaléidoscope.
Tu vas voir, je vais t'hypnotiser, mon pote. Tu vas te croire dans un cauchemar de nombril. Toi, c'est l'obscur, hein. C'est obscur, hein, dans mon nombril, tu vas voir. Hein. C'est pire que ta haine, tu vas voir. Allez, c'est parti! Bon, là, je vais bloquer le. Il va peut-être dasher, je sais pas. Par contre, il permute beaucoup. C'est peut-être ce qui va lui faire perdre. Là, je bloque. Il a tenté. Vous avez vu, il a tenté son petit, ses petites flammes noires. Je vais pas le laisser. Le chien, faites quelque chose! Oh là 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 là! Eh, ces flammes noires, bah attends, je vais te les faire bouffer, mon pote. Tu vas voir ce que je vais sortir de mon nombril. Oui! Oh, je passe juste au-dessus! Super, super! Bon, cette fois-ci, je vais un petit peu attaquer. Allez, cette fois-ci, on fait un petit combo complet. Hop, hop, les oiseaux, toute la famille, hein. Toute la famille, elle passe. Tu vis une chop? Bah non. Là, je le lâche plus, j'ai fait exprès. On va faire un petit saut. Voilà. Là, je vais bloquer. Je me sens obligé de bloquer. Allez, tu viens ici. Non, non. Attaque du nombril. Oui. L'attaque du nombril hypnotique. Je le lâche plus, les gars, c'est fini. Voilà. Toute la famille, les gars, elle est passée. Ah, le pauvre bonzeug. Bonze, c'est qui le bonze maintenant? C'est qui le bonze? C'est qui le boss, comme dirait un cousin? C'est qui le boss? Saga versus Ryu, dédicace, voilà, c'est fait. C'est qui le boss maintenant? C'est qui le boss? C'est Bibi. Sai, les gars, Sai, Sai, rien à dire, franchement. Attaque du nombril, tu vas voir si. Ouais, la technique de Obito là, enfin, la technique de Masked Man. Ouais, où ça rentre dans son œil. Moi, je vous fais la même chose avec le nombril, les gars. Hop, hop, hop. Par contre, vous ressortez pas, hein. Y a pas, non, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Tu vois, il y a une porte, mais il n'y a pas de porte de sortie. Ça, c'est. Voilà, c'est le mauvais côté. Ou si, en fait, il y a une porte de sortie. Mais c'est un choix à prendre, si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui me suivent, si ça rentre par l'ombril, ça sort pas où? Celle-là, je la place au spammer, tu sais. Petit cadeau. Enfin, bref, perso, délaissé du multi, ça y est. Sai, 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 pour moi c'est un sans faute, j'adore, franchement j'adore. Dommage pour le Sasuke, il faisait un petit peu trop de flammes noires à mon goût. Et il attendait trop que ses soutiens fassent quelque chose. Bah non, Sai, Sai les gars, Sai, perfect. That's perfect. Sai est vraiment super à utiliser. Une shop, franchement j'adore, franchement le petit saut, ça permet une petite esquive. Je sais pas si vous avez vu, je suis passé au-dessus des flammes noires, à vous de voir. Franchement super, donc pour ça nickel. C'est une projection, je pense que ça fait bah, ça permet une projection. Donc si vous avez des offensives, ça c'est plutôt pas mal. Il y a un ninja move cancel suivi d'un Nugi. Et alors là je vous recommande la vidéo de Onono Tamashi. Je le mettrai dans la description si vous voulez aller voir. Je vous donne vite fait un aperçu. C'est au moment où il y a les oiseaux, ouais. Il sort des chiens, et puis il sort des oiseaux, et là vous faites votre petit ninja move cancel suivi de Lugi. C'est super easy, il y a aucun, c'est easy, franchement c'est facile. Et puis les chiens, je pense, je les fais, donc dédicace à toi, Saixino, et petits chiens au sol, en mode, ils ont des vrais chiens de la casse, quoi. Ça c'est, voilà, c'est les chiens de la casse de Sai, ils sont là. Bon, bah je pense que c'est déjà terminé ce premier épisode. Qu'est-ce que je raconte, moi? Cet épisode de ça, le premier épisode, je suis loin, les gars, je suis loin. Cet épisode perso délaissé du multi, bah, plutôt centré sur Sai. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Premièrement,
tu vois, quand je dis que j'ai qu'une chose, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses, hein, c'est faut, voilà. Donc premièrement, je vous le recommande en multi, voilà, j'insiste, il faut vraiment les gars que vous utilisez ce perso, il est super maniable, il est tout, il est franchement, il est épique ce perso, j'espère que je vais vous donner envie de l'utiliser, franchement ça donne envie, quand vous voyez ce que j'ai fait, ça donne envie de frapper des spammers, ouais, j'ai frappé ce Kizame, j'ai frappé un adepte des flammes noires, et je sais plus c'était qui. Ah oui, c'était un Nagato. Il aimait bien les Shinra Tensei, je dirais. Disons que je lui ai pas laissé le temps. Mais voilà, ça fait trois styles de spammers bien distincts, tu vois. C'est vraiment chacun leur style. Ou pas. Non, faut voir. À vous de voir. C'était pas non plus des spammers. Ou pas. Mais voilà. Donc, tout est dit. Voilà, bah, je pense que c'est tout. J'espère je vraiment vous donner envie. Dites-le-moi en commentaire hein, si ça vous donne envie quand je fais ce genre de perso délaissé. En tout cas, les gars, continuez de proposer des persos délaissés d'Immulti. Moi, ça me fait super plaisir, surtout quand je reçois des messages d'encouragement. Et puis, je vois surtout que les vidéos persos délaissés ont vraiment, vraiment beaucoup de succès. Et ça me fait super plaisir. Donc, que dire d'autre que enjoy les gars, franchement enjoy vivement les prochains persos DLC. On va tout de suite arriver, enfin petit à petit on va arriver à la fin, mais vous en faites pas, c'est loin d'être la fin quoi. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Donc c'était Wesh92 et puis bah ciao hein. Hey Shinobi, avant que tu pars, tu peux aussi me suivre sur Twitter. Voilà, et pourquoi pas aussi me suivre sur Facebook. Voilà, tout est dans la description. Tu vas, tu cliques, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout. Par contre, là, attends, je vais te demander une petite minute de concentration. Donc là, on arrête la musique. On arrête la musique, on arrête tout. Voilà. Tu vas te concentrer. Tu vas fixer ce nombril. Tu vas le fixer. Voilà, continue. C'est bien. Fixe-le. Au moment où je vais claquer des doigts, tu seras sous mon commandement, tu m'entends? Je répète, au moment où je vais claquer des doigts, la moindre chose que je dis, tu vas le faire. 3, 2, 1. Tu vois la vidéo que tu vois là? Ah ben tu vas cliquer dessus. Ouais, tu vas cliquer dessus. T'es obligé de cliquer. T'es hypnotisé, je te rappelle. Voilà, tu cliques. C'est bien. C'est bien, je devrais faire ça plus souvent. Allez, vive ça, les gars. Allez, peace. Non, mais tu peux. C'est bon. Attends, je claque des doigts pour que t'es plus hypnotisé. Voilà, c'est bon. Mais tu peux partir maintenant. Une fois que t'as cliqué, tu peux partir.